notre Dieu et notre roi, Jésus-Christ, le Dieu éternellement béni. Toi qui es le tout en tout, toi la portion qui nous satisfait pleinement, le conducteur principal de nos âmes, tu es le chef de l'Église et tu es le propriétaire de nos êtres. C'est pour toi et pour toi seul que nous sommes rassemblés en cet après-midi dans ce petit endroit. Nous comptons sur l'infaillibilité de la parole. Comme il est dans ta parole, il est beau, agréable pour des frères demeurer ensemble. Là, l'Éternel envoie la vie. Dieu bien-aimé, sa bénédiction est vue pour l'éternité, Père. Laisse maintenant, alors que nous voulons te consacrer ce petit moment, afin que les buts pour lesquels nous sommes rassemblés soient atteints, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, rocher de nos âmes, que là où des trois sont ensemble à mon nom, je suis au milieu des Seigneurs. Tu viens, roi, c'est une vérité. Mais combien ce soir, nous te demandons que cette vérité devienne une réalité pour nos pères. Que ta présence puisse être à cet endroit d'une manière incontestable. Que nous soyons rassurés que nous avons parlé à un rocher qui répond. Nous soyons rassurés que nous étions devant une lumière qui chasse les ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés, Père. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous te le confions. S'il y a un brin d'incrédulité quelque part dans nos vies, s'il y a une poussière du péché que nous avons pu ramasser, Père, nous demandons que le sang de celui qui mourut pour nous puisse nous laver et nous purifier, Père de gloire. Et que notre réunion te soit agréable au travers de ce sang précieux. Dieu notre Père et Dieu notre roi, enlève tout obstacle sur notre chemin et dans cette réunion. Et place-nous dans la dimension de la foi immortelle. Là où nous pouvons réellement sortir de cet endroit en train de crier les gloires et les louanges de Dieu. Voilà nos attentes, ô Dieu. Seigneur Jésus, étant rassemblé à cet endroit, nous croyons que tu es le dispensateur de tout don excellent et merveilleux. Tu donnes la vie quand il y a la mort. Tu donnes la santé quand il y a la maladie. Tu décantes les situations quand il y a des problèmes. Et tu donnes toutes choses à ton peuple, Père. Sois réellement le Jéhovah Jiré dans ces réunions. Prends la prééminence et le contrôle sur nous et sur ton peuple. Dispense-nous la parole de vie et rends-la, Seigneur, réelle pour nous dans le précieux nom de celui pour qui nous sommes rassemblés. Le Seigneur Jésus-Christ, nous te disons et te recommandons ces instants entre tes saintes mains, Père, croyant que tu le feras davantage pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Répondez vivement, nous vous saluons au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ainsi, je vous demanderai de vous tenir debout. Nous reprenons toujours notre test dans Colossiens chapitre 3. Mais ce soir, nous allons lire le verset 1er jusqu'à verset 4. Si donc vous êtes résistés avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Dans
Depuis le dimanche, nous avons introduit un petit message intitulé « Les réactions spirituelles ». Les réactions, les réalités spirituelles et leur suprématie. Et pour ces réunions, nous sommes en train de parler sur une pensée intitulée « Les retours au sable sacré ». Nous avons vu avec plusieurs traditions sur le verset premier et le verset 2 que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, avoir nos pensées fixées sur les choses célestes. La Bible nous a dit que nous devons chercher les réalités spirituelles. Et ces réalités sont en haut. Et que nous en soyons préoccupés. Et que cela puisse hanter nos esprits. Nous avons essayé de pouvoir énumérer quelques donc, réalités qui sont spirituelles. Car le Dieu qui a créé, il a créé le monde visible et le monde invisible. Et le monde invisible, la Bible nous a dit, c'est ce qui est éternel. Et tout ce que nous voyons avec nos yeux doivent passer. Mais les choses éternelles, ce sont les choses invisibles. Et ce sont nos richesses éternelles. Ce sont les possessions que nous ne pouvons jamais perdre. Dans cette salle, il y a Jésus-Christ. Dans une autre dimension, il y a le Saint-Esprit. Il y a l'amour. Il y a les couronnes. Il y a les trônes. Il y a les pouvoirs, il y a les puissances, et toutes ces choses-là sont confiées à l'Église. Il y a la joie éternelle, il y a la gloire qui revient sur son peuple, il y a l'adoption des fils de Dieu, et toutes ces choses-là sont confiées à l'Église. Ce sont les choses que nous ne pouvons jamais perdre, et nous ne serons jamais séparés de cela. Mais ces choses peuvent devenir si réelles pour nous quand nous avons nos pensées fixées sur elles. Et ce monde visible qui nous entoure, quand notre pensée est fixée sur Christ, ces choses s'approchent plus près de nous et nous influencent. Et quand nous sommes en contact avec le monde invisible, l'invisible nous donne les choses visibles. Dieu est invisible dans cette salle. Mais nous pouvons lui parler et cela peut produire les effets réels. C'est ce que nous avons essayé de pouvoir attirer notre attention. Que Dieu ne peut pas traiter avec nous tant que nous ne recherchons pas ces réalités spirituelles invisibles. Nous avons déclaré même avec Moïse, avant que Dieu puisse parler à Moïse, il a fallu que Dieu puisse captiver l'attention de Moïse. Captiver la pensée de Moïse. Et quand cela a été fait, alors Dieu a parlé à Moïse. Ces choses que nous ne voyons pas, ce sont des choses réelles. Vous pouvez être comme vous êtes là, à un certain moment, pas seulement une émotion, mais vous sentez une paix dans votre cœur. Vous sentez une joie dans votre âme. Et cette chose-là, ça vient de notre monde. Et ce que j'aimerais d'abord attirer votre attention ce soir, au verset 3, il est dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La Bible précise, elle parle avec précision que vous êtes mort. Mais qu'est-ce qui est mort en soi? J'aimerais que nous puissions voir cette écriture avec l'interprète divin qui est le prophète dans son message intitulé « Les âmes qui sont en prison » prêcher les dits
novembre 63. À son paragraphe 36, frère Branham dit, il dit que bien l'âme de l'homme n'est pas son corps. C'est là que c'est l'âme, voyez. Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il dit nous sommes morts, l'écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. C'est le par le Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est mort. Voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme, la nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, donc quand la Bible dit clairement que nous sommes morts, ce n'est pas notre esprit qui est mort, ce n'est pas notre corps qui est mort, nous vivons, mais la nature de l'esprit, cette nature qui aimait les choses du monde, cette nature adamique qui faisait que nous étions rattachés aux choses terrestres, quand nous avons été de nouveau, quand Dieu sauve une personne, cette nature est changée, cette nature est morte. Vous allez découvrir que les choses que nous aimions autrefois, nous ne les aimons pas. Les choses auxquelles on était rattachés, on n'est pas encore rattachés à ces choses. Qu'est-ce qui est arrivé? La nature terrestre, la nature humaine, la nature de l'homme est morte. Et nous sommes maintenant cachés en Christ. Dans question réponse du 27 mai 62, le saint prophète parle au paragraphe 91. Maintenant, que faisons-nous? Nous confessons nos péchés. Croyons que nous sommes morts, ensevelis avec lui dans les baptêmes, et résister avec lui dans sa résurrection. Pourquoi? Pour nous asseoir avec lui dans le lieu céleste. C'est là que nous sommes ce soir. Et j'aimerais que nous puissions être ce soir là. Nous sommes morts ensevelis dans le baptême. Et maintenant nous sommes résistés avec lui pour nous asseoir avec lui dans le lieu céleste. Et c'est là que nous sommes ce soir. Nous sommes assis, pas physiquement, mais spirituellement. La position que nous occupons dans ce monde. Un jour, frère Branham était dans une réunion. Et il regarde un frère. Et il voit son ange de l'autre côté du rideau. Et frère Branham déclare, il était dans la même position. De ce côté-ci, un vieux homme. De l'autre côté, un corps tout neuf, dans la même position là. S'il avait la main comme ça, de l'autre côté c'était la main comme ça. Donc nous sommes assis spirituellement en Christ dans les lieux célestes. Nos esprits, nos pensées, nos âmes sont maintenant même bien au-delà de tout souci du monde. Où sommes-nous? Dans les lieux célestes en Christ. Comment y entrons-nous? Par un seul esprit, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Et frère Branham déclare les royaumes mystiques de Dieu. C'est là, nous regardons en arrière comme nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Nos âmes, nos pensées, nos esprits sont captivés par les choses d'en haut. Et quand nous sommes centrés sur Christ, et de là, nous regardons en arrière et nous voyons que nous avions l'habitude de mentir, l'habitude de voler, de tricher, de fumer et de mal agir. Nous en sommes ressuscités. Nous sommes dans les lieux célestes. Qu'est-ce? L'évidence
fin de ce jour, nous serons un corps semblable à son corps glorieux. Nous regardons les choses que nous aimions, les mensonges qui étaient sur nos langues, nos mains qui volaient et trichaient, la bouche qui fumait et tout ce que nous agissions comme le mal. Nous regardons ces choses-là, nous n'avons plus encore l'envie de faire ces choses. Si on vous prend aujourd'hui, on vous amène dans la boîte de nuit, vous allez fuir ce soir, vous n'allez pas supporter. Toi qui aimais l'alcool, si on te donne le primus aujourd'hui, ou n'importe quelle pierre, tu ne vas pas encore supporter. Toi qui mentais facilement, aujourd'hui tu mens d'un incident comme ça, et vous n'avez pas la paix, et si un mensonge s'écrit sur votre langue, ça vous trouble. C'est quoi ça? Vous êtes mort à ces choses. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et cela est l'évidence que nous aurons un corps semblable à son corps. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amina. Branham déclare, car potentiellement nous sommes déjà ressuscités avec lui partiellement. Potentiellement, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts. C'est pourquoi frère Branham déclare, quand vous apprendrez que William Branham est mort, ne le croyez pas. Ce vieux homme William Branham est mort il y a 32 ans. Potentiellement nous sommes morts, potentiellement nous sommes ressuscités et assis dans le lieu céleste en Christ, avec nos pensées sur les choses éternelles, nos pensées sur l'amour, nos pensées sur la joie, nos pensées sur l'avenir du Seigneur, nos pensées sur l'enlèvement. Nous pensons aux anges, nous pensons à Jésus et nous désirons un monde meilleur. Nous sommes comme Abraham dans le pays de Cana, mais en train de chercher une cité où Dieu est constructeur et architecte. Pourquoi nous avons saisi la vision? Et le message dit, le William Branham d'autrefois ne vit plus. Il est mort depuis 30 et quelques années. Maintenant, il est une nouvelle créature. Orman ne vit d'autrefois. Ne vit plus. Il est mort. Il y a bien des années. Il est une nouvelle créature. Orman ne vit mort. Les joueurs, ou peu importe ce qu'il était. Cet homme qui a vécu. Qui jadis est mort. Le vieux boxeur Branham là, qui a gagné les matchs là, il est déjà mort. Aujourd'hui, vous ne le verrez jamais sur le football. Vous ne verrez jamais faire encore la boxe. Qu'est-ce qui est passé? Ce message là est mort. Et j'aimerais ce soir que vous regardiez en arrière, que vous puissiez vous regarder. Comprenez les choses auxquelles vous êtes attachés, les choses que vous faisiez. Pourquoi vous ne les faites pas encore? Vous êtes déjà mort et maintenant est ressuscité. Est-ce que je parle au ressuscité ce soir? Amina. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Oui. Dio. Je ne sais pas, frère Neville n'a jamais été cela, mais peu importe ce que c'était, il est coupable de tout cela. Peu importe ce que vous étiez, vous êtes un pécheur, voilà ce que vous êtes. Et vous êtes mort parce que vous aimez les choses du monde. Et tant que vous aimez encore le monde, peu importe combien vous confessez être ici en haut, vous n'êtes pas en haut, vous êtes encore en bas. Quelqu'un qui pense que je suis mort, je suis ressuscité, et qui aime encore la nature pécheresse, qui aime encore le football, qui aime encore la cigarette, qui a la facilité de mentir, qui combat encore les femmes ou les hommes, ainsi de suite. Donc ça prouve que son pays n'est pas en haut. Son pays est en bas. Oui, mes amis. Il dit, mais lorsque vous élevez, lorsque vous vous élevez au-dessus de cela, pour
atteindre les choses célestes. Au-dessus du mensonge. Au-dessus de l'alcool. Au-dessus des commérages. Au-dessus des médisances. Au-dessus de la haine. Au-dessus des mauvaises humeurs. Au-dessus de la colère. Maintenant, vous vous élevez pour atteindre les choses célestes. Vous vous affectionnez alors aux choses d'en haut. Parce que vous êtes résistés avec Christ. Et vous êtes assis ensemble dans le lieu céleste en Christ. Vous reposez avec assurance. Rien ne peut vous nuire. Rien du tout. La mort elle-même n'a pas. Ne peut rien vous faire. Vous êtes déjà ancré en Christ. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Pour atteindre les choses célestes. Vous êtes déjà mort aux choses du monde. Mort au tabac. Mort aux histoires du monde. Mort à toutes ces choses-là. À l'adultère, vous êtes déjà mort. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Maintenant, vous êtes monté plus haut. Et vous vous reposez avec assurance. Et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous faire du mal. Pas même pas la mort. Même pas la mort. Ne vous fera aucun mal. À ce temps ici, à ce niveau-là, même la mort devient votre serviteur. La mort devient esclave. Que Dieu enverra pour vous amener au ciel. Dans la gloire. Voilà là où l'Église se trouve aujourd'hui. Aucun démon ne vous fera du mal. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amina. Et dans qu'est-ce que le Saint-Esprit Branham déclare au paragraphe 38, vous êtes tellement différents. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, que l'Esprit de ce monde ne vous aime pas. Quand vous recevez le Saint-Esprit, l'Esprit de ce monde ne vous aime pas. Nous devons voir les choses clairement. Si vous aimez le monde, l'amour du monde est en vous. Recevons le Saint-Esprit. Le monde vous hait. Abraham déclare : ils sont contre vous. Les choses du monde sont contre vous. Les esprits du monde sont contre vous. Et ils ne veulent rien du tout avoir à faire avec vous. Les esprits de ce monde, les choses du monde, ils ne veulent rien à faire avec vous. Vous êtes né d'un autre monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau qui peut dire amen? Amina. Vous êtes né d'un autre monde. Écoutez ce que dit Frère Branham. Vous êtes aussi étranger et 10 fois plus étranger que vous le seriez si vous alliez dans la région la plus reculée des jungles d'Afrique. Prenez un Américain qui lui quitte l'Amérique, qu'on aille avec lui à Mwadi Kayemba là-bas, ou dans n'importe quelle jungle d'Afrique, et cacher lui là-bas, il se voit un étranger, il se voit dans l'insécurité, il ne se sent pas bien. C'est comme ça quand nous sommes nés de nouveau. Frère Branham déclare, le monde ne veut pas n'a pas à faire avec vous. Et vous êtes 10 fois étranger. Pèlerin et voyageur. Musafiri na mugeni. Dans les douleurs. Vous voyez ça? C'est ce qui se passe aux croyants nés de nouveau. J'aime ça, mes amis. Amina. J'aimerais me retrouver étranger dans ce monde où nous vivons. Quelles que soient les conditions de vie, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, mais on se sent 10 fois étranger dans ce monde. Le système de ce monde ne nous plaît pas encore. C'est comme si nous sommes déçus de tout. Nous sommes décis de tout. La science nous a décis. La politique nous a décis. RDC nous a décis. L'Allemagne nous a décis. L'Amérique nous a décis. Les églises nous ont décis.
Nous sommes fatigués. Et nous nous trouvons comme des étrangers. Pas simplement un étranger, mais 10 000 fois étranger. 10 fois étranger. Qu'est-ce qui peut nous attirer encore dans ce monde? J'avais aimé un jour quand le pasteur Richard Kabeye est parti. Un jour, je causais avec le pasteur Élisée Kabamba ici. Et on voyait comment l'œuvre qu'il a laissée. Je lui disais, révérend, il a laissé tout. Il a laissé un grand, les efforts, les grands bâtiments là, tout ça. Tout. Je ne sais pas comment on parle. Mais il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup réjoui. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il y a dans ces bâtiments-là? Ce sont des poussières, ce sont des choses, des problèmes à trancher. Il n'y a rien de spécial là. Il n'y a que des poussières et des problèmes à trancher dans ces bâtiments-là. Vous comprenez que dans ce monde, il n'y a rien qui nous attire. Nous ne sommes pas attachés aux grands bâtiments. Nous ne sommes pas attachés aux vêtements parce que nous ne voulons pas de spécial. Je suis 10 fois étranger dans ce monde. Je me sens étranger. Et je désire rentrer à la maison. Je désire me retrouver parmi les miens. Je pensais qu'en fait, en y prêchant ici, comment Abraham s'est retrouvé en Canaan et il cherchait une autre cité. Je me suis demandé, Seigneur, nous voici dans les messages. Dans les messages où nous sommes, nous avons trois sortes de croyants. Nous avons des incroyants. Nous avons des semi-croyants. C'est un pays habité par les Cananéens. Les Cananéens sont parmi nous. Les hypocrites sont dans nos tabernacles. Je cherche un endroit. Je cherche le vrai message. L'atmosphère du message. La réalité du message. Ce n'est pas un tabernacle. Des fois, nous sommes déjà fatigués. Béni soit le nom du Seigneur. Amina. Le frère Banam déclare. La vraie vigne et la fausse vigne. Donc, les chrétiens ne marchent pas seulement avec une vision très courte, très faible. Un chrétien n'est pas myope. Non. Un myope, ce n'est pas l'aveugle, c'est quelqu'un qui voit seulement de près. Vous n'êtes pas un myope. Tout ce que vous voyez, c'est les habits, c'est les affaires, c'est l'argent, c'est les dollars, c'est les parcelles. Tout ce que vous voyez, c'est les bâtiments. Non. Nous regardons l'invisible. Nous regardons aux choses invisibles. Et ces choses invisibles sont si réelles. Et des fois, quand nous pensons à cela, quand notre esprit est captivé par cela, nous avons lu le dimanche. Les événements futurs semblent être dans le présent. L'au-delà semble être avec moi. Les millénaires semblent avec être moi. Les événements futurs semblent être au présent. Frère Branham prêche un jour. Je pense que c'est dans les esprits séducteurs. Il y avait une certaine atmosphère dans la salle. Et Frère Branham déclare, c'est comme si l'enlèvement est au-dessus de nous. Il y a une sphère où vous entrez, où vous sentez les événements futurs être dans le présent. Alléluia. Amina. J'aime ça, mes amis. Branham déclare, je vous l'ai dit, paragraphe 30, la vraie vigne et la fausse vigne. Je vous l'ai dit, si jamais vous êtes né de l'Esprit de Dieu, écoutez, mon ami, tu n'es pas prêt. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Et je sais qu'il y a les gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Mais ceci, c'est un test. C'est un test pour savoir si vous êtes déjà né de l'Esprit de Dieu. Écoutez, frère, je vous le dis. Si jamais vous êtes né de l'Esprit de Dieu, le monde sent mauvais à vos narines. Le monde sent mauvais. C'est comme si vous arrivez auprès d'un dépotoir. Là où on met des bouchafous, ainsi de suite. Vous sentez, vous n'arrivez pas.
Branham était parti un jour, il est incendié dans un cas comme ça, là où on s'arrêtait. Il voulait utiliser un peu une certaine toilette, mais c'était mal propre. Et il dit que je suis entré là-bas et j'ai senti très mauvais, je ne pouvais pas supporter là. Ça sentait mauvais. Et je dis que c'est comme ça que le monde aujourd'hui. Le monde sent mauvais. Vous ne pouvez plus les supporter. Et Frère Branham déclare, tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, ou toute femme, ne pratique pas les choses du monde. Ils sont sortis du monde. Ils mènent un genre de vie différent. En effet, ils ne peuvent pas digérer cela. Mentir, je ne digère pas encore. Sortir avec les femmes, les jupons, je ne supporte pas encore. Faire ceci, voler, je ne supporte pas encore. Pourquoi je ne digère pas encore? Branham déclare leur type digestif. Leur type digestif, les reins là, ont été changés, convertis. Leurs appétits sont pour les choses de Dieu. Et je sais que ce soir, vos appétits sont sur les choses de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent en haut, au réunion de prière, et tout. Ils regardent en haut, au réunion de prière, et tout. Il désire marcher dans la présence des anges. Il désire sentir la présence du Seigneur. Il désire sentir l'amour de Dieu. Il désire sentir la colombe rouler dans leur âme. Il désire chanter les cantiques de Sion. Alléluia. Et les voilà dans la réunion de prière. Frère Madame de Glas, ils n'ont pas le temps pour les patinoires. Là. Et les danses, les salles de danse, et tout ça, ils sont passés de la mort à la vie. Ils ne désirent plus ces choses. Je ne désire plus les choses. Si j'entre sur l'internet et que je vois une femme née, je ne peux pas rester là alors. Ça sent mauvais. Si je vois les danses, ça sent mauvais. Tout ce que j'ai dit, ça sent mauvais. Mais pourquoi toi tu peux rester avec le téléphone sur les choses qui sentent mauvais? Non, tu n'es pas encore né de nouveau. Non, il faut que tu te dises la vérité. Et ce soir, nous retournons au sable sacré. Et ce soir, nous allons là où Moïse était parti. Ce soir, nous allons entrer dans la terre sainte. Là où il a été dit à Moïse. Moïse. Ôte tes souliers. Ne t'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Car la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. La terre est sainte. C'est le sable sacré. C'est un sol sacré. Moïse, humilie-toi. Moïse, abaisse-toi. Oui, je suis dans la présence du Seigneur. Et c'est là que la crainte respectueuse s'empare de l'âme. C'est là qu'il y a la puissance du changement qui descend et qui s'empare de l'être humain. J'aime le Seigneur Jésus. Amina. Il y a un endroit appelé le sable sacré. Il y a un endroit appelé la terre sainte. Et ce soir, si vous avez été là, vous avez le désir de rentrer là. Si vous n'avez jamais été là, vous avez le désir d'y arriver. Alléluia. Amina. Béni soit le nom du Seigneur. Amina. Dans les buissons. Dans la Kijiyamoto. Sur le sable sacré. Moïse a dit passer là. Moussa répita parle. Frère Banam nous a dit. Nabia Ritwambia. Dieu. Mungu. Le fait pour chaque enfant. Et qu'on étende wakila mutoto. Sans exception. Bila kondosha muntu. Il a un endroit. Anakwana ile fwash. Il a un temps. Anakwana wakati. Il a un dessein. Anakwana nia. J'aime cette écriture. Amina. Où il a rencontré Dieu. Ile alikutana na Mungu. Et quand Moïse a rencontré Dieu. Wakati Musa alikutana na Mungu. Écoutez. Et réalisons d'abord ce que nous avons lu la fois passée hier. Frère Branham déclare, Moïse possédait toutes les connaissances du monde intellectuel. Nous avons lu ça. Mais Dieu l'a amené au buisson pour ôter de lui tout cela.
Moïse, tu es un Égyptien, tu n'es pas un Égyptien plutôt, tu es un Juif, tu es né pour libérer les enfants d'Israël, les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, intellectuel. Les dieux de Branham, intellectuel. Mais Dieu devait ôter cette connaissance intellectuelle. Les citations de Frère Branham, les citations de la Bible intellectuelle, c'était la vérité, non pas une réalité. J'aime ça. Car je vous ai parlé, mes amis, ce qui satisfait l'âme du croyant, ce n'est pas la vérité. Mais les croyants cherchent la réalité. Ma sœur, laisse la distraction avec l'enfant là. Ce qui nous satisfait, ce n'est pas la vérité. Nous cherchons la réalité. Ensuite, quand il a ôté cette connaissance, ensuite mettre en lui une foi venant du feu qui était sur le buisson ardent. Moïse avait la foi mentale. Intellectuel, connaissance mentale, un concept, une imagination, une illusion, une apparence, mais pas une substance. Mais quand il entre dans ce buisson ardent, Dieu ôte cette connaissance intellectuelle de la vie. Là, quand vous entrez dans cette monde, dans ce monde, Frère Branham déclare que le message n'est pas un secret. Il a mis à Moïse la foi qui venait du fait qui était sur le buisson. Vous savez, il y a une autre foi que nous avons. Et il y a la foi de Dieu. Il y a la foi de Jésus. Il faut que notre foi puisse se dissiper. Et que Dieu nous donne sa foi. Et la foi que Moïse a maintenant, un homme de 80 ans, avec un bâton à la main, le voilà à prendre son épouse et ses deux enfants à rentrer là où il avait fui. Moïse avec une barbe pendante, blanche pendante, les cheveux gris. Moïse, tu vas où maintenant? Je vais en Égypte. Je te lui demanda, Moïse, où est-ce que tu vas? Tu amènes mon enfant où? Ma fille, tu amènes où? En Égypte. Là où tu avais fui? Oui. Moïse était changé. Il avait la foi de Dieu. La foi qui venait du feu qui était sur le buisson ardent. Je ne veux pas que vous puissiez retenir ça comme une citation. J'aimerais que vous puissiez demander. Il y a une foi qui est venue de la Pentecôte. C'est là que la Bible déclare la foi qui a été transmise. C'est une foi pour toutes. C'est la foi de la Pentecôte. Ce n'est pas la foi de l'Église. Ce n'est pas la foi de la venue du Seigneur. Ce n'est pas la foi de tonnerre. Non. Il est question de la foi de Dieu que Dieu a transmise. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la foi. Abraham déclare, ce dont nous avons besoin ce soir, une autre visite au buisson ardent, là où nous passons par une expérience, et ni l'homme n'a le droit de se tenir derrière la chair, ni l'homme n'a le droit de se dire chrétien avant qu'il y ait été une fois sur derrière le désert, sur ce sable sacré, là où il aura rencontré Dieu face à face. Je relis cela parce que nous sommes dans la réunion de prière. Et il y a les notes précieuses sur lesquelles nous allons prier. Seigneur, je pensais être chrétien. Je croyais être chrétien. Mais ton prophète nous dit, personne n'a le droit de s'appeler chrétien s'il ne s'est jamais tenu sur le sable sacré à rencontrer Dieu face à face. Oui, mes amis.
Dieu va pendre. Et lorsque vous avez rencontré Dieu face à face quelque part, je rentre à cela, mes amis, et que vous avez senti la puissance du changement. D'une vie nouvelle, entrez en vous, aucun démon de l'enfer ne peut vous ôter la chose. Qu'est-ce qu'on appelle le sable sacré? Ce n'est pas seulement un endroit où on crie, où on pleure, ça arrive. Le Saint-Esprit amène ces choses. Mais le sable sacré, c'est un endroit où j'ai senti la puissance du changement. Je peux crier comme Jacob. Je peux crier. Tu peux comme à la Pentecôte. Ça peut arriver. Mais ce qui me prouve que j'ai été sur le sable sacré, c'est la puissance du changement. Le Dieu immuable. Prêchez le 20 janvier 62. Maintenant, considérez Moïse. Ce berger, très âgé à l'époque. Il avait 80 ans. Il commençait à se faire vieux. Peut-être avec une moustache grise et une longue chevelure grise ou flottante. Et il était là. Pas dans une église, sur le mont Horeb. Branham dit, Dieu n'est jamais descendu dans un sermon, mais dans un buisson ardent. Voyez-vous, il dit, mais Dieu ne l'a pas rencontré dans une église, c'était au pied de la montagne. Il dit, Dieu ne l'a pas rencontré dans le cantique, mais dans un buisson ardent. Le cantique, c'est bien, nous chantons. Ça fait descendre la présence du Seigneur. La prédication, un bon sermon, c'est bien. Ça nous fait réjouir. Ça nous fait crier, amen. Et ça nous emballe. J'aime ça. Mais après la prédication, après le cantique chanté, Moïse a rencontré Dieu dans les buissons ardents. J'aime ça, mes amis. Et ce n'est pas lorsqu'il était jeune, mais lorsqu'il était un vieux homme. Dieu l'a appelé après qu'il a eu 80 ans. Pensez-y deux fois. Nous pensons donc que parce que nous avons 35 ou 40 ans, quoi que nous ayons, vous n'êtes jamais trop âgé. Vous avez une âme qui doit vivre éternellement. Alléluia. Amina. Pas dans un sermon. Pas dans des cantiques. Mais dans le buisson ardent. Là où la puissance du changement doit arriver. Là où la vision change. Alléluia. Amina. J'aime ça. La reine de Séba, par Kaf 21, prêchait le 17. Mais 57, j'ai lu quelque chose. Hein. Oui, qu'on devons aller dans la prière. Mais ce petit moment où Dieu vous prend. Et vous éloigne de tous vos associés. Il vous amène tout au fond au coin. Il vous amène à un endroit, à un endroit secret. Moi je le pèse ce soir. Il y a un endroit, il y a un temps et un dessin. Tu dois avoir un endroit, tu dois avoir un temps et tu dois avoir un dessin. Quand Dieu rencontra Moïse à un endroit, à un temps, il avait un dessin. Quel est ce dessin? Délivrer Israël. Quand Dieu vous rencontre, il vous commissionne.
Il vous donne quelque chose à faire. Car nous croyons. Dieu ne peut pas rencontrer un homme. Ou l'homme ne peut pas rencontrer Dieu. Et demeurer chômeur. Non. Ça, je refuse. Dieu vous rencontre quelque part. À une certaine date. À une certaine minute. À une certaine heure. Et vous donne quelque chose à faire. Oui, mes amis, à cet endroit où la sagesse du monde devient tellement insignifiante, où toute l'instruction que vous avez déjà reçue ne signifie rien. Là, dans la présence divine, au point que vos yeux qui convoitent ne peuvent même plus voir cela. Parce que c'est la puissance du changement. Quand je sors de là, les oiseaux chantent différemment. Quand je change, je quitte de là, la vision a changé. Bonhomme déclare, quand Moïse est sorti du buisson, il est sorti avec une nouvelle vision. Une nouvelle vision. Vous voyez l'argent différemment. Vous voyez le monde différemment. Les grandes maisons différemment. Tout vous voyez différemment. Pourquoi? La puissance du changement vient sur l'homme. Les yeux qui convoitaient. Vous allez sortir avec les mêmes yeux. Et les mêmes femmes que tu convoitais. Les mêmes hommes que tu convoitais. Tu les vois différemment. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amina. Au point que l'amour de l'argent disparaît complètement de vous. Est-ce que les hommes d'affaires peuvent dire amen? Amina. Il y a les gens qui aiment l'argent, même s'il faut tuer, il peut tuer. L'amour de l'argent, Branham déclare, au point que l'amour de l'argent disparaît complètement de vous. Un monsieur rattaché à l'argent. Égoïste, chiche. Il aime l'argent au point que même payer la dîme, il ne peut pas payer la dîme. Mais, la kini. Dans le puissant ardent, sur le sable sacré, là où la crainte de Dieu s'empare de l'or, quand vous brisez un iota de la parole, quand vous faites penser que Dieu demande pour vous déranger, votre esprit est dérangé, votre morale est dérangée. Lorsque vous vous tenez là, seul avec Jéhovah Dieu, Branham déclare, voilà les choses qui comptent. Voilà les choses qui vous font oublier tout ce que vous avez jamais connu. Alléluia. Moïse s'éteint dans la présence du Seigneur. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Alléluia. La connaissance du monde ôtée. Dans 5 minutes. Dans l'école de Jéhovah. Sur les sables sacrés. Sur la terre sainte. Dieu apprend son fils. Dieu apprend son serviteur. Les meilleures choses. J'aime ça, j'aime ça. Amina. Dans 5 minutes. Il n'y a pas besoin de prêcher la repentance. Sur le sable sacré. Quand vous vous tenez là-bas. Même si on ne prêche pas la repentance. Même si on prêche la venue du Seigneur. Faites quelque chose de mal. La repentance est en vous. Dans le sable sacré. Sur le sol sacré. Sachez se tenir sur le sol sacré. Cet homme d'homme d'affaires, l'homme d'affaires de Jéricho, ce grand bandit-là, ce voleur des impôts, il s'est tenu sur le sable sacré dans la présence de Jésus. À un certain moment, on a vu Jésus d'Aché en train de crier, Maître, Arabouni, Maître, Seigneur, si je fais quelque chose, si je volais, je dois donner par quatre, je dois retourner les choses de voler. Tarudisha vitu vya kwi
accomplir certaines choses fantastiques, ni une nouvelle dénomination, mais rester avec Dieu seul. Et Branham déclare, oh, tout l'égoïsme, toute la malice, toute la crainte, toute l'incrédulité, disparaît tout simplement. Et Dieu prend la prééminence. Je désire les sables sacrés. Là où l'égoïsme part. Quand je parle, c'est pour se justifier. Quand je prends les écrits, c'est pour se couvrir. Ça, c'est l'égoïsme. Et les prédicateurs aussi prêchent la parole seulement pour se justifier. C'est l'égoïsme. Et le fait de chercher ses propres intérêts. L'égoïsme disparaît. Aujourd'hui, les prédicateurs sont pleins d'égoïsme. Ils prêchent pour plaire aux gens, pour que les gens les louent et les tapotent. C'est l'égoïsme, c'est l'égoïsme. C'est chercher ses propres intérêts. Mais que Dieu m'aide, que Dieu m'aide pour ne pas chercher mes propres intérêts. Que je cherche les intérêts du royaume. Que je voie les hommes et les femmes à rentrer sur le sable sacré. Que je voie la repentance à l'ancien monde. Que je voie le salut à l'ancien monde. Que je voie le baptême du Saint-Esprit à l'ancien monde. J'aime ça. J'aime voir l'église à l'ancien monde. Branham déclare, voilà ce qui rend une personne différente. Voilà ce qui a rendu Moïse différent. Voilà ce qui vous rend différent. Sur le sable sacré. Ça me rend différent. Comme nous sommes venus pour la prière. Dans 5 minutes, nous allons entrer dans la prière. Les péchés impardonnables. Paragraphe 57. Alors, si vous n'avez pas été séduit pour croire une théorie, une sensation ou quelque chose d'autre, choses qui sont correctes, je n'ai rien là contre. Peu importe comment Dieu vous les donne, c'est entre Dieu et vous. Que vous criez, que vous tombiez, que vous parlez la langue, que vous voyez des lumières devant vous, tout à fait normal, ça peut s'arriver. Mais Branham dit, mais quand un homme est né de l'Esprit de Dieu, vous le trouverez tout aussi libre et humble au possible. Il s'approche du trône de grâce, sachant qu'il a le droit de manger de l'arbre de vie. J'aime car ça. Quelque chose est arrivé à cet homme qu'il a fait passer par une expérience qu'il n'avait jamais connu ailleurs dans le monde. Et chaque homme, chaque femme qui est née de l'Esprit de Dieu a en lui une expérience dont il sait directement quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et quel genre d'effet cela a produit sur lui. Quelque chose est arrivé à chaque homme, à chaque femme qui vient de l'Esprit de Dieu. Branham précise juste quelque chose qui change. Maintenant, vous pouvez pas penser que vous êtes changé. Je n'ai pas un problème. Des fois, nous pouvons être changés sans passer par cette expérience. L'homme est un pécheur. Trois étapes de la grâce. Justifié. Il a encore le désir de faire le mal. Après la justification, sanctification. Cet homme qui faisait le mal, qui avait le désir de faire le mal, il devient saint. Mais il n'est pas encore entré dans le Saint-Esprit. Voyez ça. Voyez ça.
Je volais, je ne vole pas. Je fumais, je ne fume pas. Je convoitais ou je faisais des histoires, je ne fais pas. Tout ça, je ne suis pas encore derrière les filles, les femmes là. J'ai déjà abandonné. Ça peut être la sanctification. Ça peut être là. Mais la puissance du changement vient à un endroit, à une certaine date, et il y a des effets. Vous n'oublierez jamais. C'est pourquoi je dis quoi? Ne te trompe pas. Oh, moi je faisais ceci, je ne fais pas. Moi je vivais, je ne bois pas encore les choses. Non, ça peut être la sanctification. La sanctification n'est pas notre destinée. La sanctification, c'est le désert. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge et ils sont morts dans le désert, dans l'état de sanctification. Et beaucoup de chrétiens sont là ce soir. Maquillage, j'ai déjà abandonné. Non, les robes, les courtes jupes, j'ai déjà jeté. Les pantalons que je portais, j'ai déjà abandonné. Non, vous êtes dans la sanctification. Je cherche ce soir le sable sacré. Où je sais, à certaines dates, un endroit, Barnam va nous dire, un endroit où tu peux pointer du doigt. Vous pouvez appeler votre ami. Allons là où j'ai reçu le Saint-Esprit. Et vous arrivez. C'est ici. Sous cet arbre ici. Avant, cet arbre n'était pas là. L'autre ici a poussé. Mais il y avait seulement cet arbre ici. Vous avez la précision. C'est cela le christianisme. Si vous n'avez pas ça, ne dites jamais à une personne que vous êtes chrétienne ou chrétien. Si tu n'as jamais existé ça, les réunions sont organisées pour que tu ailles ça. Quel genre de fait cela vous avez? Vous savez. Est-ce que mon église est avec moi? Je ne veux pas que nous puissions crier en l'air. Je donne les coups, non pas en l'air. Je ne crie pas, ok, non, non, je sais de quoi je cherche. Je cherche la puissance du changement. Qui vient à un temps, à un endroit, avec ce genre de fait. Je peux crier, je peux sauter, je peux m'écrouler, mais j'attends la puissance du changement. J'attends que le nom de Jacob soit changé en Israël, que la nature soit changée, que les vieux hommes soient morts. Écoutez, c'est qui Lisa? Mettons-nous debout, mes amis. Vous allez chanter pour moi, quel beau jour, jour de mon choix. Quand Jésus ôta mes péchés. Maintenant, écoutez ce que dit Frère Banham. Quelle maison me bâtirez-vous? Il était parti à la montagne. Il dit au paragraphe 29. Je sais que chacun de vous, si vous ressentez ce que je ressens, je désire ardemment voir l'Esprit de Dieu se mouvoir. Je ne peux tout simplement pas endurer cela. Là, à la montagne, j'ai juste eu quelques expériences. Écoutez, j'aimerais simplement ressentir cela une fois de plus. Cette chose qui était si glorieuse pour mon cœur quand je venais d'être sauvé.
J'ai eu certaines expériences à la montagne. J'aimerais simplement ressentir la même chose. Quelle chose? Cette chose qui était si glorieuse. Vous me direz, mais moi j'ai déjà eu ça. Ce message est adressé à quelqu'un d'autre. Non, nous voulons ressentir la même chose qui était sur moi quand je venais d'être sauvé. Moi je peux m'en souvenir. Quand j'ai rencontré cet homme de Jésus, j'ai quitté l'endroit en train de crier. C'est comme si je marchais à l'air. J'avais trouvé un nouveau ami. J'avais la joie. J'ai crié. Et maman me demandait, Bill, c'est quoi? Maman, je disais, maman, je suis très heureux. Je suis très heureux. J'aimerais ressentir. Moi je peux m'en souvenir. C'était dans ma maison. Il pleuvinait à l'extérieur, je pense. À un certain moment, je pense à Dieu. Je crois que c'est. On m'avait imposé les mains après 6 mois. Je peux me rappeler. On avait organisé une réunion de prière. Et je suis passé par l'imposition de mains après 6 mois. Ce soir-là, vers 16h17. Alléluia, vers 16h-là. À un certain moment, je suis entré en bouffe dans quelque chose. Je me suis vu un homme le plus pécheur du monde. Le premier pécheur du monde entier, c'était moi. Je voyais ma vie comme noire et sale, comme le mur de l'enfer. Non. Non. Je ne me suis jamais vu comme ça. J'étais tellement noir. Je me suis glissé dans la chambre. Et je commence à lui parler. De pardonner mon péché. Je suis un homme mauvais. Je ne mérite pas d'être vivant. Je ne suis pas ce que je devrais être. Pourquoi j'étais sur le sable sacré? Je peux ressentir. Quand cela vient dans ma maison, quand je prie, quand je suis à la montagne, quand j'entre dans cette présence, je sens ça. Je sais que je suis coupable. Oh Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Quel jour de me croire. Quand Jésus sauva moi, il m'a pris à veiller prier. À vivre chaque jour dans la foi. Quel bon jour! Jour de mon choix! Quel bon jour! Jour de ma décision! Quel bon jour! Jour de mon engagement! Quel bon jour! Là où j'ai fait la promesse à Dieu! Alléluia! Ce soir, mon frère, ma sœur, tu peux avoir ce moment-là! Tu peux arriver sur le sable sacré! Préparez-vous maintenant! Avec vos yeux fermés, si tu n'as pas cet endroit, si tu n'as pas cet temps, si tu n'as pas l'expérience là, c'est possible maintenant. Venez, entrez sur le sable sacré. Venez, rencontrer Dieu face à face. Alléluia. Il est présent dans cette salle. Le même Jéhovah, le même ange, la même lumière qui a rencontré Paul, le même Jésus qui était dans la maison des Zachée et dans cette salle, passez dans sa présence et vous verrez cela. Alléluia. Quel beau jour, tout est mon choix. Mon sang, Père et mon Dieu, et mon cœur est rayonné de joie, esprit partout. Alléluia, il m'a pris à prier, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand je crois en Jésus. Prier, prier, prier,
I'm